Et salut tout le monde! On est mercredi, petite analyse de replay sur la chaîne YouTube 100% World of Tank. En plus, on se caille! Donc c'est le moment idéal, j'ai envie de vous dire, pour vous poster une petite VOD. Hein. D'habitude, je fais les VOD quand ma fille fait la sieste l'après-midi. Là, j'en profite que la maman est en vacances et qu'elle est partie promener le petit bout chez le médecin, malheureusement. Et oui, elle a le nez qui coule. Pour justement profiter de ma liberté, comment dire, du fait que je sois seul chez moi, pour vous faire cette petite vidéo. Et vous allez voir qu'en termes de contenu, aujourd'hui encore, bah ça va être nouveau et j'espère que ça va tout simplement vous faire plaisir. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, la plupart d'entre vous ne sont pas des adeptes de Facebook. Je vous avouerai que moi non plus, mais étant en train d'essayer de mettre, comment dire, mes services pour la communauté, comment dire, de mettre mes capacités, mais enfin mince, je ne trouve plus le mot, de mettre, comment dire, mes capacités de caster à disponibilité de la communauté. Et eh bien, je suis malgré moi obligé d'aller sur Facebook pour poster les analyses de replay, des informations, poster tout ça. Et donc j'imagine que certains d'entre vous n'y sont tout simplement pas allés, ne sont pas au courant que j'ai mis le site que je vous avais promis en open bêta, et donc je vais tout de suite vous l'afficher sous les yeux. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu de quoi il retourne. Là, c'est le site que je vous ai développé, j'ai envie de dire. Ce n'est pas pour moi, hein, c'est clairement pour vous. Comment dire? Donc, open beta, pourquoi? Bah, parce qu'il y a encore quelques modules, comment dire, qui ne sont pas développés ou qui sont en cours de développement. Sachez que c'est beaucoup de travail de mettre des tulpes de base de données en relation, d'intégrer du contenu. C'est long, c'est fastidieux, ça va prendre son temps. Mais là, dans un premier temps, histoire de voir si mes modules principaux fonctionnent, j'avais décidé de mettre en ligne, comment dire, le site. Donc ça va marcher comment? Donc dès que vous arrivez sur le site, une petite page d'accueil. Ici, la toute dernière vidéo que j'ai mise en ligne. Ici, les trois dernières qui ont été mises en ligne. Ici, une petite information concernant le nombre de vidéos disponibles sur le site. En dessous, un récapitulatif général des 10 dernières news que j'ai postées sur le site, avec des liens bien évidemment qui amènent vers le contenu. Ensuite, au niveau de la navigation, donc vous pouvez voir ici un onglet les vidéos. Bien évidemment, si on clique dessus, vous pouvez vous apercevoir que je vous ai développé un module de filtre, donc chose qui n'est pas disponible sur YouTube actuellement, qui va tout simplement vous permettre de pouvoir faire du tri sélectif de vidéos de ce que vous avez envie de voir en fonction de différents termes, de différents mots-clés, de différentes données. Tout simplement. Donc en dessous, bien évidemment, toutes les vidéos que je vous propose 100% World of Tanks qui sont toutes listées juste en dessous, hein, elles y sont toutes. Mais vraiment, le petit truc en plus qui, je pense, vous facilitera la vie, c'est ce module que je vous ai développé. Donc par exemple, vous pouvez choisir différents mots-clés, vous pouvez voir qu'il y en a quand même une tartinée, hein, à chaque fois que je rentre une vidéo dans ma base de données, j'essaie de mettre un maximum d'informations. Donc là, en l'occurrence, vous avez comment dire, un filtre avec éliminage des doublons sur les différents contenus de disponibles. Donc ça, plutôt pas mal, j'ai envie de dire que c'est vraiment le gros point positif du site pour les vidéos, c'est que ça vous permet de filtrer le type de vidéo que vous voulez voir tout simplement. Là par exemple, si je viens ici, je décide de regarder un petit peu de Clan War par exemple, de Skazer à poster sur Clan War, je sélectionne, je balance une recherche, et là on peut voir qu'avec le mot-clé Clan War, il y a trois résultats qui reviennent, et là vous pouvez être sûr que ce sont des parties de Clan War. Voilà dans la partie vidéo. Donc ce que je vous propose. Ensuite, ici, il y aura une partie article. Vous pouvez voir que pour l'instant, il n'y a rien. Je suis en train de finir de développer le dernier. Il sera mis en ligne probablement ce soir. Je le boucle. Ce sera sur le Eevee Tank. Ici, vous retrouverez tous les articles et tutoriels utiles, que vous soyez novice, que vous ayez besoin de comprendre comment jouer un Eevee, comment jouer un TD, comment dire, toutes les compétences disponibles, comment les utiliser. Enfin bref, tout un panache d'informations, de tutoriels, d'articles expliqués pour vous guider, pour vous aider dans votre progression, j'ai envie de dire, sur World of Tanks. Ici, une autre catégorie de news. Donc, je vais cliquer dessus. Attendez, hop. J'ai fait un petit fail. Voilà, il ne veut pas revenir en arrière, mais c'est normal. Voilà, donc une catégorie de news. Comme vous pouvez le voir, si vous sélectionnez votre news qui est ici, bah vous avez un contenu, d'accord. Je vous explique un petit peu. Je vous tiens informé des nouveautés directement sur le site. Donc mod et add-on, eh ben, c'est une page qui est forbidden pour le moment car elle n'est pas finie de développer.
Les sites utiles également, nos partenaires également. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est du contenu annexe, c'est vraiment pas la priorité. Pour l'instant, j'essaie de faire mon maximum pour intégrer du contenu qui vous soit utile dans un premier temps. Ensuite, vous pouvez voir qu'ici, vous avez deux boutons. Donc, vous avez le bouton pour vous abonner sur le site, vous avez un bouton pour vous connecter. Donc, en s'abonnant, comment dire, sur le site, donc pareil, je stocke trois de vos informations qui sont un pseudo. Un pseudo, une adresse mail et un mot de passe pour vous connecter, bien évidemment, comme sur tous les sites, qui vous permettront à la fois, par exemple, je prends la dernière vidéo, de pouvoir directement sur le site, sans passer par YouTube, poster vos commentaires ici. Vous voyez, bien évidemment, il faut être connecté ou créer un compte pour pouvoir justement utiliser cette fonction que je vous mets à disposition. Mais ça vous tient également informé. Donc, une fois que vous enregistrez sur le site, j'ajoute votre adresse mail dans une mailing list. Cette mailing list, elle n'est diffusée à aucun partenaire, à aucun service commerciaux. Vous pouvez être sûr que votre adresse mail entre les mains d'Azure, eh ben, elle va rester entre les mains d'Azure, elle ne sera propagée à personne. Et elle vous permet tout simplement qu'une fois un nouveau contenu mis en ligne, eh bien moi, via ma mailing list, j'envoie à tous mes abonnés l'information avec le lien pour aller soit vers la vidéo, soit vers l'article, soit vers le tutoriel. Voilà les amis. Comment ça se présente? C'est en bonne phase de développement, j'ai envie de dire. C'est même en comment dire plutôt bien avancé. Donc je vous donne comment dire oralement l'adresse. Donc essayez de la retenir pour aller sur le site. C'est World of Tanks. Donc tout attaché. worldoftanks.azerbyte. azerbyte.fr. Voilà, maintenant que vous avez toutes les informations, je vais pouvoir fermer cette parenthèse sur le site et on va revenir au contenu d'aujourd'hui au niveau de la vidéo. Alors j'espère que ça va vous faire plaisir, je n'en doute pas, je pense que oui. Donc je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller sur le site officiel, d'aller sur le forum et tout, mais vous pouvez voir qu'il y a des tournois officiels. Donc des compétitions officielles sur le site worldoftank.eu. Et là, dernièrement, il y a eu deux lancées. Et donc dernièrement, quand je dis dernièrement, ce n'était ni plus ni moins qu'hier. La Fun Cup, le tank est compté, qui a débuté. Donc je vous explique un petit peu le principe. C'est une compétition dans laquelle il faut être 15 inscrits par équipe. Les matchs sont très fun. Pourquoi? Eh bien parce que vous disposez d'une limite de 55 points. 55 points qu'il va falloir répartir sur un char de chaque tiers du jeu. Je m'explique. Dans votre équipe, déjà c'est du 10 contre 10. Il faut que votre équipe comment dire, intègre dans sa line-up un char de chaque tiers. Tiers 1, tiers 2, tiers 3, tiers 4, tiers 5, tiers 6, tiers 7, tiers 8, tiers 9, tiers 10. Voilà. Donc c'est du 10 contre 10, du tiers 1 au tiers 10, mélanger un bon gros mix dans la même équipe. Et c'est vraiment fun. Moi j'ai accroché le concept dès le début, dès que ça a été posté sur le forum CKC, donc de mon clan. Je me suis inscrit tout de suite pour être sûr d'avoir une place. Et hier, il y avait la première journée, comment dire, j'ai envie de dire, la phase éliminatoire première pour faire le tri au niveau des clans. Et donc nous avons participé. Bien évidemment, premier match qui a popé à 19h sur Himmelsdorf, deuxième match qui a popé à 20h30 sur comment dire sur Ensk, il me semble que c'est Ensk, ouais, à 20h30. À savoir que la première journée, donc les deux matchs qu'on a fait hier, c'était du BO1. BO1 qui ceux qui jouent à StarCraft ou et compagnie comprendront très bien, même les autres. Le BO1 c'est le Best of One, c'est une manche éliminatoire en une partie. Donc si tu perds, bah, tu sors de la compétition. Si tu gagnes, tu as le droit d'avancer comment dire, jusqu'à ton deuxième match de 20h30. Comme vous l'aurez compris, je vous ai parlé de deux batailles, donc on a passé au moins le premier tour. C'est un petit spoil, mais bon, j'avais pas le choix, hein, pour la présentation de la vidéo d'aujourd'hui, c'était nécessaire et même obligatoire. Mais je ne vous dirai pas ce qu'il en est pour la deuxième. Vous jugerez par vous-même, les amis. Donc, j'ai préparé les deux parties. Elles sont prêtes à être lancées. Donc, encore une fois, là, j'ai eu un gros coup de chance. J'ai évité de faire une boulette. Vous savez, aujourd'hui, une petite information, tout le monde le sait, la 8.9 est en train d'être implémentée sur les serveurs, sur le jeu. Donc, vos clients de jeu vont se mettre à jour. Moi, bien évidemment, j'ai pris cette information hier et il me restait deux replays de la 8.8 que je ne pourrais malheureusement pas commenter. Donc, je vous l'avais dit, hein, j'avais essayé d'épurer au maximum de manière à pouvoir profiter de tous les replays que j'avais fait. Ce sera pas le cas.
pas. Il y en a deux qui vont passer à la trappe, tant pis. Mais là, avant même de lancer le jeu ce matin et de faire la mise à jour vers 8.9, je n'ai rien lancé du tout de manière à ce que mon lecteur vidéo World of Tanks soit compatible avec les deux parties d'hier. Et donc bien évidemment, c'est la raison pour laquelle je présente cette vidéo, je fais cette vidéo ce matin, de manière à pouvoir lancer cet après-midi mon client et qu'il se mette à jour tranquillement. Allez, on est parti. Première partie qui s'est jouée hier 19h en BO1 contre les GER-B, donc ce sont des Allemands de mémoire. C'était sur Himmelsdorf. Et donc vous allez voir les compositions d'équipe qui sont assez stylées. Et moi j'ai vraiment accroché ce concept de compète qui porte bien son nom, hein, le temps qui est compté. C'est du tir 1 avec du tir 10. Vous pouvez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a un rat, un char de chaque rang dans chaque équipe. C'est du 10 contre 10. Et c'est plutôt stylé. Donc en bas à droite. Ne tenez pas, ne prêtez pas attention à les minimap. Encore une fois, je le répète pour ceux qui ne sont pas au courant, les petits traits verts rouges là que vous voyez, c'est pour l'ESL. D'accord? Là, on n'est pas du tout en ESL, on est sur un tournoi officiel proposé par Wargaming. Donc, ne tenez pas compte de ces petites lignes qui se promènent en plein milieu de la map. Alors, mais comment peut-on faire? Parce que nous, hier, on était assez, assez mitigés quant à la. Quant à la stratégie à adopter, comment faire, que faire, il y a du tir 1, du tir à 8, du tir 10, comment on va gérer ça? Donc l'idée, vous pouvez voir, c'est que de 1 à 5, on a pris du scout et on a essayé de prendre du scout qui est très rapide de préférence. Pourquoi? Eh bien parce qu'un tir 1 là-dedans, il a franchement pas sa place, hein. Il peut pas être là pour faire du dégât. Donc on a décidé de rentabiliser tout ce qui est petit tir par la rapidité, de manière à choper l'information très vite quant au positionnement des tirs 19-8 de l'équipe adverse. Voilà, c'était la première idée. Donc ensuite on a mis un petit M18 L4. Pourquoi? Eh bien parce que le M18 il tire très très régulièrement. Lui il était clairement là pour défoncer tous les légers de l'équipe adverse et même voire aller jusqu'à tapoter tier 6, tier 7, tier 8 un peu moins mais quand même. Et donc derrière faire jouer en groupe les trois top tiers, donc le T110 E3 qui est juste devant moi. Le ST1 qui est derrière moi, et moi-même avec mon AMX 5100 et une puissance de feu assez destructrice et redoutable. Donc, je vais lancer la game, je vais vous laisser voir un petit peu. Bon, allez, je vais vous dire comment vous voyez la chose. Deux légers, ou du moins un M18 et un léger qui étaient censés venir ici très vite pour prendre l'information, à savoir si on allait se faire rush par là-haut. Moi-même, le T110 E3 et le ST1, du moins. Excusez-moi, moi-même avec mon 5100 et le ST1 étions là pour verrouiller les flancs du T110 E3. On était là vraiment pour le protéger, pour éviter que quiconque ne vienne le flanquer. Donc on a pris ce char-là, pourquoi? Bah parce que de face, bien évidemment, là, le seul qui peut lui faire peur, j'ai envie de dire, c'est le T57 EV. Je vois mal, même un T54-1 de face, en visant bien entre les crochets bas de caisse, aller lui infliger du dégât, du moins ce serait très dur. Donc c'est la raison qui a justifié la prise du T110 E3 en top tier. Derrière, moi-même avec mon 5100 et le ST1, on est là pour verrouiller ces deux flancs. Personne ne doit pouvoir lui mettre une cartouche sur ses côtés ou alors à l'arrière. On était vraiment là pour le protéger. Et bien évidemment, si il était safe, et ben on était là pour engager le combat et balancer toute la déflagration que l'on puisse donner. Donc, l'idée pour nous était de passer ici, revenir là, et de rusher, 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 rusher jusqu'ici, car chez KC, ben, on n'aime pas trop tampon, on n'aime pas trop attendre que l'ennemi vienne à nous, on aime plus aller mener l'agression. Comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos, hein, de nombreuses reprises, lorsque vous avez le visuel sur la map, que l'ennemi est acculé dans sa base, il a plus de possibilités de manœuvre, il est cloîtré chez lui, et bien pour vous c'est un net avantage, parce que vous avez la possibilité de vous relocaliser si vous sentez que c'est pas un bon plan, si vous sentez qu'il y a une possibilité ailleurs, ça c'est possible, mais ça on ne peut le faire qu'une fois qu'on a le visuel sur cette map. Donc là l'idée c'était de rush très 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 vite. Donc vous voyez, hein, on laisse avancer le T110 E3, d'ailleurs là il a eu un petit bug, notre copain Valdrek. On laisse avancer le T110 E3 de flanc, derrière avec notre ST1 on est là pour lui verrouiller ses flancs, personne ne doit le toucher, ça c'est clair et net, c'est la consigne. Et donc là, hop, voilà, allez, premier obus qui est claqué et on détruit M5 à M-Steward. Pendant ce temps-là, ils ont perdu leur T2 Light Tank, nous n'avons rien perdu pour le moment, c'est du 2-0. Donc là on progresse, là vous voyez, je reste safe, hein, parce que là moi l'idée c'est de verrouiller son flanc à droite.
D'accord. Donc là, je vois que c'est safe, il n'y a personne au milieu. Nos lights sont bien avancés dans leur base, ont pris des positions super avancées. Et donc de ce fait, on est en mesure, vous voyez, là je commence à prendre mon envol. Je décide de partir devant mon T110E3 pour la simple et bonne raison que je veux lui rendre la vie facile. Et donc là, toujours en restant bien évidemment dans son périmètre de sécurité. Là, à ce moment-là, vous pouvez voir que sur la minimap, on a quand même détecté tout le monde qui est en mass camp. Et ça, sur Himmelsdorf, bah, ça signe l'arrêt de mort, hein, clairement, je viens de le dire. Dès lors où vous vous mettez à camper, dès lors où... Enfin voilà quoi, c'est perdu d'avance. Vous n'avez aucune issue. Il faut porter l'agression, surtout sur ce type de partie, avec plein de petits chars. Vous avez vu que leurs petits tiers, leurs light, qui sont censés aller vite, n'ont absolument rien foutu. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas foncé à la limite, vous voyez là, dans une configuration comme celle-ci, envoyer tier 2, tier 3 très rapide dans la base ennemie au suicide, et ben c'est clairement ce qu'il faut faire. Pourquoi? Ben parce que ça donne l'information de l'endroit où sont en train de s'orienter les ennemis, ça vous donne plein d'informations qui sont vraiment capitales pour mener à bien votre positionnement et l'issue de votre game. Là vous pouvez voir qu'eux, ils se sont cloîtrés dans leur base, ils nous ont attendus en mass camp. Et ben nous, ça nous dérange pas parce que ça, on sait le gérer. Chez CKC, on a l'habitude justement du fait que l'on est très agressif de tomber sur des compositions en full camp. Et donc ça nous dérange pas, on est capable d'y faire face, on est capable de faire le travail sur ce genre de game. Donc là, je sais qu'il y a encore un petit Leichtraktor qui se promène là-haut, donc là je l'attends quand même tranquille. J'ai pas envie de gaspiller mon obus de mon barillet là-dessus, hein, ce serait embêtant. Et là je vois que mon copain est dessus, donc tout de suite, je prends un petit peu d'avance pour voir un peu ce qui se passe ici. On a vu le T57 EV, vous voyez, il est complètement paumé. Là, on a un type 59, donc là ça y est, c'est parti, on va commencer à taper les gros. Donc là, on en tape un sur le T57 EV, haute tourelle, ça passe pas malheureusement. Là, notre T110E3 encore, rien pris. Là, vous voyez, je me décale, je sais que je vais en prendre, mais je veux clairement prendre le type 59 et lui sécher la tronche. Et vous voyez que j'y arrive à merveille. C'est du 7-2. C'est un stomp, on a envahi leur base, leur T57 EV est à la ramasse. Ils ont un T54E1 qui se promène derrière nous. Mais bon, j'ai envie de dire, regardez, on est déjà tous sur cap, on est arrivé dans leur base, on a tout nettoyé, on a tout clean comme des gros sagouins. Donc là, hop, on balance des cartouches, tranquille, le T57 EV, il est mort, c'est fait. Et vous voyez, c'est le L4 qui finit, le T57 EV, donc plutôt pas mal. On est tous sur cap, c'est un 9-3, j'ai envie de dire, c'est un stomp. On a perdu tier 2, tier 3, tier 4. Les scouts, les plus gros qui est là, vous voyez, hein, notre T110E3, on a super bien joué super bien fait le job, pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas perdu un PV. Là, moi, je décide de DK parce que j'avais envie d'aller fumer le T54E1. Mais quand je vois encore le reload qu'il me reste, j'ai dit, non, c'est bon, vous faites pas chier, finissez la partie, que l'on soit tranquille avec ça et que l'on n'en parle plus. Voilà, et donc c'est une victoire par un 9-3 avec une capture de base. Plutôt stylé la game, pas mal, j'ai même envie de dire super bien mené, on a été très agressif comme à notre habitude. Enfin voilà, moi j'ai vraiment pris plaisir, un plaisir que je n'avais pas pris depuis longtemps à jouer une partie, parce que les clans war c'est bien beau, mais à force c'est un petit peu relou, c'est les mêmes maps, enfin une fois qu'on est débarqué c'est toujours pareil, on tourne sur du rivière de sable qu'on est en Afrique, Elalouf, enfin voilà. Là vraiment le concept m'a plu, rien qu'à l'idée, et là une fois que j'ai fait ma première game, je fais waouh. Franchement, ça claque, c'est terrible, j'aime. Vivement la prochaine partie à 20h30, vu qu'on a gagné le premier tour. Donc, un premier BO1 qui est gagné. Je vais vous lancer tout de suite la deuxième partie qui s'est jouée à 20h30. Donc, c'est parti, partie numéro 2. Celle-ci était contrôlée 130, c'était la Panzerleicht Division, je sais plus quoi, enfin bref. On s'en fout, j'ai envie de vous dire, leur tag c'était 130. Et donc, sur le papier, il me semble qu'ils n'étaient pas mauvais, ces bougres d'âne. Et donc on va d'ailleurs pouvoir le constater via le XVM qui fonctionne encore. Vous pouvez voir que ce sont des gens quand même qui tournent à 1700 WN7 pour le ST1, 1666, 1578. Bref, c'est quand même, c'est pas des manches dans l'équipe d'en face. Et donc il va falloir avoir du répondant. Donc, vous pouvez voir que là, la composition d'équipe a littéralement, enfin littéralement, non, c'est totalement faux. Elle a un petit peu changé. Elle a un petit peu changé parce qu'on s'est concerté. On a essayé de trouver une suite logique à cette map en fonction des éléments qui nous sont donnés, des chars qui nous sont proposés. Et donc là, on s'est dit que le T110E3, ce serait pas possible. Enfin, ce serait totalement possible, bien évidemment, mais ce serait un petit peu trop risqué du simple fait que sur cette map,
Vous pouvez voir qu'il y a des accès de part et d'autre sur les flancs. Il y a des accès un petit peu de partout. Ça fait des petits couloirs, ça fait des goulots. C'est pour un TD sans tourelle, c'est vraiment pas optimal. Et donc à la dernière minute, moi j'ai tout de suite pensé IS-7 T110 E5. Quelques camarades m'ont rejoint dans l'idée du T110 E5, du MOS, d'un gros truc APV. Et après, donc on s'est orienté sur T110 E5. Donc vous pouvez voir que c'est moi qui l'ai. J'étais assez content du choix pour la simple et bonne raison qu'un MOS c'est bien beau, mais c'est lent. Enfin voilà, rien que sa lenteur, ça peut être préjudiciable pour l'équipe. Tandis que là, un bon petit T110 110 E5 qui tire en moins de 10 secondes, qui a quand même 2200 points de structure, qui est très mobile, il a la vitesse, il est super polyvalent. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de rédiger dans l'article que je vais vous mettre en ligne ce soir, normalement. Le T110 E5, c'est un char on ne peut plus polyvalent. Il a la vitesse, il a la cadence de tir, il n'a pas de gros dégâts, mais croyez-moi qu'à force de taper du 360, du 400, du 420 toutes les 8 secondes, eh ben, il commence à prouver son efficacité. Et donc là, moi, je me suis porté volontaire. Le camarade qui nous menait, comment dire, qui essayait de préparer ses stratégies, m'a demandé si j'avais ce qu'il fallait. Je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci, tu peux compter sur moi, je vais prendre mon E5. Mon E5 est couplé à un ST1 1MX 500, exactement la même qu'avant, T29, donc 3-4 EV pour comment dire, pour envahir la ville, pour essayer de clean rapidement, parce que là clairement on a une composition pour clean très très vite, à savoir que l'AMX 500 il a une grosse puissance de feu, mais il faut attendre qu'il soit reload. Le ST1 est un peu plus lent, donc il va suivre mais de loin, et le T29 lui va être entre deux feux, il sera en mesure de revenir sans trop s'éloigner de la base et en même temps restant pas très loin du pack de notre pack tier 10, tier 9, tier 8. Les légers, eh ben, l'idée était d'en avoir deux qui cavalent dans tous les sens ici pour nous donner l'information sur les positionnements ennemis. Toujours devant nous pour avoir l'info, comme je le dis tout le temps, avoir les yeux sur la map, c'est la clé du succès. Et les autres étaient censés venir progresser gentiment en plaine pour voir ce qui pouvait se promener dans toute cette zone. Allez, c'est parti, je lance la game. D'ailleurs, je n'avais même pas fait couler le chrono. Et vous allez voir qu'encore une fois, bah là, c'est une game contre des bons joueurs, hein. Ils sont pas mauvais sur le papier. J'ai regardé leurs stats. Ils ont tous plus de 10K battle, donc plus de 10 000 batailles. C'est pas des manches. Donc là, on l'avait prise avec sérieux. Surtout que là, si on perd, bah, on est éliminé. Donc voilà quoi. Il fallait pas se foirer. Surtout que là, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a vraiment pas le droit à l'erreur. On est dans un concept nouveau. C'est la deuxième game. On sait pas trop où on va. La map, enfin, on savait ce que c'était, mais on n'avait pas forcément réfléchi à comment faire, que faire, machin truc. Donc voilà, faut être vigilant, très vigilant. Donc là, moi, je prends ma position standard de FFA. J'attends tempo un petit peu, le temps que mon T50, vous les voyez, hein, T50 Panzer 1C nous donne l'information, nous donne le spot. Et là, tout de suite, on voit leur tier 9 qui est en train de s'orienter pleine. Donc là, je dis, ok, c'est parti, go, envoie la purée. Le Tiger 2 également, donc tier 8, tier 9, qui sont sur leur cap en train de s'orienter pleine. Tout de suite, j'ai dit à mes potes, j'étais le meneur des EV qui sont derrière moi, j'ai dit, go les mecs, il faut y aller, faut encaisser, il faut charger. Ils sont tous là-bas, il faut profiter de notre avancée et du scout que nous ont donné nos légers. Et là, vous pouvez voir que vous voyez, j'hésite pas, hein. Avec mon T110 E5, moi j'y vais de front, on réfléchit pas, on taillot, on taillot, on taillot, et on défonce du char. Allez, c'est parti. Un scout de détruit. Bon, j'ai été détecté, bien évidemment, on sait où je suis, mais en allant très vite le défoncer, on n'a pas vu mon ST1, on n'a pas vu mon 50-100. Déjà là, bon point. Là, on a vu qu'un T29 se promenait là-bas à gauche, donc j'ai dit au poteau, les mecs, vous me suivez, go, on enquête, on encha... Excusez-moi, je suis dans l'euphorie de l'action encore d'hier. On balance la charge, on y va, on va les défoncer, clairement. Là, tout de suite, maintenant, c'est ce qu'il faut faire. Donc là, T29, ok, c'est vu. Donc là, je fonce, je rentre dans l'art, hein. Je vais peut-être me prendre un ou deux shoots, mais bon, imaginez quand même, je suis tier 10, là c'est un 7 et un petit M18 qui pop devant moi, donc du 7, du 6, bon, une colle 351, je lui mets 404, ok, ça marche, là vous voyez que le 50-100 le contourne, il va lui éclater la tête, c'est fait, je vais balancer une petite douille sur le M18 L4, voilà, et il se fait défoncer dans la foulée, ça c'est fait, c'est réglé. On peut maintenant aller aider nos poteaux. Vous pouvez voir qu'il y a 3-0. Et là, regardez, on voit le MOS qui s'oriente en A0 avec ses deux compagnons Tiger 2 et ST1. Donc les trois top tiers sont en mode camp. Enfin voilà, il n'y a pas d'autre terme, c'est de la camp ultra campeuse, j'ai envie de dire. Ils sont verrouillés en A0 là-bas en haut. Et nous, on a toute la map pour nous. Et là, on est super content, on est super heureux.
Bah parce que ils sont clairement séquestrés dans leur base, et nous on a toutes les possibilités qui nous sont offertes, quoi. On peut se relocaliser, on peut prendre le temps, il n'y a pas le feu. On est super bien dans notre game. D'ailleurs, le score en atteste de lui-même, hein, 4-1. Moi je suis en super bon état. Mes deux poteaux tier 8, tier 9 sont en super bon état. Et donc voilà, là on est on ne peut mieux dans notre game. Là je vais aller fumer le Hetzer pour éviter qu'il donne trop de spots pour ses deux Eevee là-bas en haut. Donc là ouais voilà, vous voyez, il peut rien faire le pauvre, hein, même avec du full explosif. Donc là le Hetzer est mort, c'est du 6 pour 1. C'est un stomp, j'ai envie de dire, hein, pour le moment c'est un stomp. Ils ont perdu tier 1, 2, 3, 4, 6, 7. Il leur reste le 5 qui se promène là en plein milieu, mais lui, vous voyez, on lui saute littéralement dessus comme des gros sagouins. On veut aller le défoncer. Donc là moi j'évite de trop m'avancer, vous voyez, je reste en position snipe ici au cas où ils décident de se rabattre de mon côté. Mais il faut pas que je perde de vue mes 3 copains qui sont là-bas en haut, donc mes 3 Eevee, tier 7, 8, 9. Il faut que je reste en verrou, prêt à les safe, prêt à les protéger. Et donc là vous voyez, maintenant que c'est détruit, hop, tout de suite, on va faire un petit demi-tour. Et on va aller défoncer la tronche des trois derniers, des trois top tiers. Et nous sommes sur un 7-1. Donc là, j'ai envie de dire que le stomp s'accroît de plus en plus au fur et à mesure que la partie avance. Vous pouvez voir qu'on est en super bonne forme. Nos chars sont en super bon état. Là, l'ennemi, bah, je vois vraiment pas. À ce moment-là de la game, j'étais trop content. Je me dis, putain, je vois pas ce qu'ils peuvent faire. Ils vont littéralement se faire défoncer. On va les éclater. Et là, vous voyez, dans un rush de dernière. Bah voilà, de dernier instant, ils décident enfin de bouger et de venir, mais là c'est faire camper comme ça dans un truc aussi all-in, j'ai envie de dire c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Donc là j'en ai mis une dans le ST1, je les bounce. Là je défonce le wagon, ok, totalement useless. Là je vois que le MOS est en train de me focus, donc ok, toi t'es vu. Hop, on va attendre un petit peu qu'il se tourne, on va sortir le bout de notre nez, on va le track, parce que là je sais pertinemment que je le percerai pas, il a trop d'angle. Donc je le track pour pas qu'il bouge. Et là, voilà, le ST1, lui, ça va être la cible prioritaire. Donc, hop, on lui colle un petit 400. Là, vous voyez, même le Chaffy lui colle des petits 110 à répétition. Là, le MOS, hop, on lui colle un petit 400, un petit 380, pardon. J'étais un petit peu prétentieux, là. Et donc, vous voyez, on va les avoir à l'usure, gentiment, tranquillement, avec toute la délicatesse qui soit. Donc là, on va viser la chenille pour le track, pour pas qu'il bouge, bien évidemment, pour faciliter le travail à nos potes. Et donc là... Et ben voilà, c'est du 9-1. On a perdu un Panzer 1C dans la bataille. Et donc là, vous voyez qu'il a rendu les armes. Il s'avoue vaincu, le pauvre. Il ne bouge plus, il ne prend même plus le temps de tirer. Et donc là, on va pouvoir lui saucer la tronche. Regardez tout le monde qui est en train de lui déchirer la tête. Et là, on était super content de notre game. À tous dans l'ensemble, hein, vous pouvez voir qu'on a perdu qu'un petit scout tier 3. Tout le monde a super bien rempli le job, tout le monde a fonctionné main dans la main, et c'est la clé de la réussite sur ce type de jeu, sur ce type de tournoi, c'est d'avoir une équipe qui est soudée, d'avoir une équipe qui marche dans la main dans la main, avoir une équipe qui est capable de protéger son camarade. Bref, tous ces éléments font que vous êtes capable de faire un 10-1 contre une bonne équipe. Voilà les amis, donc la vidéo s'achève sur comment dire, sur ces deux petites analyses de replay qui, je vous le rappelle, sont issues du tournoi de la Fun Cup, le temps qui est compté. Je vous invite à aller sur le site officiel pour prendre plus d'infos sur cette cup. C'est un tournoi officiel, je vous le rappelle, qui est proposé par Wargaming. D'aller voir un petit peu quelles sont les équipes qui sont passées, qui ont réussi à passer le premier tour. Il y a du français, donc c'est beau. Moi, j'ai vu ça, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa d'avoir autant d'équipes françaises de présentes. C'est plutôt stylé. GG à vous les mecs, vous représentez bien la communauté comment dire, rien que sur le papier. Et j'espère que les résultats sauront suivre comment dire, la bonne marche et vous mener le plus loin possible. Voilà les amis, je vais tout simplement arrêter cette VOD. Je crois que je n'ai rien oublié. Je vous ai donné les informations essentielles, à savoir une petite notice d'information et d'explication sur le site, à savoir que la 8.9 est en train d'être implémentée au moment où je vous parle, et que voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. J'espère que ces deux parties vous auront fait plaisir, et je vous donne rendez-vous vendredi pour un nouvel épisode sur la chaîne YouTube 100% World of Tanks. Ciao ciao les amis.